Vous voyez toujours en direct de ce que je dis. Donc je viens de passer au-dessus un morceau de chair. Trop cher les prix. Maintenant sur les bouchers. Les bruits, je suis emballé par Lucette. Morceau de chair, putain, les prairies. T'attends la marée, tu les cueilles toi-même. Plus cher que, je sais pas, les champignons, ce que tu veux. Et là, nous sommes en direct de chez Multari. Voilà, aujourd'hui, jour de paye, grand luxe. On peut prendre un café, un croissant. Là, la taille du croissant. Et l'américain et le biscuit, 2,80. Je suis allé au début de République, là où j'ai fait le film tout à l'heure. Les croissants, ils ressemblaient à rien, ils faisaient même pas la moitié de ça. Et quand même, qu'est-ce que c'est cher au Turin, putain. Je vais le filmer après quand je reviens. Là, je me fais mon petit café, tranquille. Le grand luxe du mois. Première semaine, j'ai droit à 120 euros. Enfin, j'avais droit à 100. Non, sur le bac. Après 75. Du coup, j'ai du tabac. L'église était fermée, j'ai pas pu prendre le papier. Je peux toujours défendre Jean-Marc, ça doit être défendable. Et en face, là, il y a Notre-Dame du Bon Vœu. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, il y a 20 ans, je venais chercher le pain le matin pour le faire chez Multari, le pain de seigle, normalement. C'était une autre époque. Non, c'est vraiment une époque de merde et vous faites que de la merde. Bon, moi je fais plus rien, comme ça je fais pas de conneries. Je fais que t'es l'éternel, moi je travaille pour le bon Dieu, je travaille pour l'âme du devenir de l'ensemble, pour l'esprit. Ce qui compte, c'est le devenir de l'ensemble. Et hop, je travaille là avant le tramway. Rendez-vous qu'à 10h, c'est à 10 minutes, on est 9h moins le quart, je suis tombé du lit. Tombé du ciel, non, tombé du climat. Voilà, voilà. Boire mon petit café, donc il est chaud. Déguster mon croissant, je me roule une clope. Aujourd'hui, grand luxe, du tabac. Ça fait 3 jours qu'il peut, il n'y a pas de mégot. C'est la misère complète. En direct de Envoyé Spatial pour l'éternel, reporter sans glacière, tout ira bien dans l'espace-temps.